encore plus de mal à l'identifier que s'il était mort. On lui parle dans n'importe quelle langue, il sourit gentiment et il répond pas. On sait même pas s'il se rend compte qu'on est en train de lui parler. Pas de papier d'identité. Il n'avait pas de tache sur ses habits. Et puis un peu de poussière dans les poches, de la boue sous les semelles. Donc on a forcément une piste. Non, justement pas. Ce qu'on a ne mène nulle part. On ne sait pas d'où il vient ni pourquoi il est là. Et la cicatrice? La cicatrice, elle doit dater d'un mois, peut-être un peu plus. Une blessure par balle. Remarquablement bien soignée d'après les médecins qui l'ont examinée. Mais il peut y avoir des séquelles. Et c'est à cause de ça qu'il ne parle pas? Oui, c'est probable. On est dans le brouillard, si je comprends bien. Oui, en plein brouillard. On pourrait essayer de passer une photo dans les journaux. On sait jamais. Quelqu'un peut le reconnaître. Le problème n'est pas de savoir si quelqu'un peut le reconnaître. Le problème est de savoir si quelqu'un a envie de le reconnaître. Vous le trouvez changé? C'est surtout les cheveux. Il en avait, mais c'est pas les mêmes que sur la photo. Enfin, vous l'avez quand même reconnu, c'est ce qui importe. Mademoiselle Legrand. Vous pouvez m'appeler Julie, vous savez. Julie. Il y a 8 ans que vous êtes à son service? Oui, bientôt 8 ans. Et vous aviez quel âge quand on vous a placé chez lui? Je venais d'avoir 16 ans. Il est sûr qu'il comprend rien du tout de ce qu'on dit? S'il comprend, il le cache bien. Mais il va rester comme ça? Tout le temps jusqu'à la fin? Moi, je suis sûre qu'une fois rentré chez lui, il va se reconnaître. Vous allez voir, ça va lui revenir d'un coup. Ben, comme ça, il pourra me raconter tout ce qui lui est arrivé. Ça simplifiera mon enquête. Racontez-moi comment ça s'est passé. Je vous ai déjà dit. C'était il y a 6 semaines, c'est ça? 5. Ça ferait 6 lundi. Vous l'avez vu le soir, il était normal. Comme d'habitude, il buvait son infusion et puis il est allé se coucher. Non, parce que il avait son service comme capitaine du port. Ses fonctions de marée. Ce soir-là, c'était une marée. Il fallait qu'il ressorte pour aller au port. Alors il est ressorti. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis mise au lit. Et vous avez dormi? Oui. Et vous ne l'avez plus revu depuis? Non, jusqu'à aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous vous êtes réveillée le matin? Quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne, le lit n'était pas défait. Ça lui arrivait? Hein? D'aller dormir ailleurs? Non, sauf pour son travail. Sinon, il dormait dans son lit tous les soirs. Ah oui. Seul? Eh bien, Julie. Seul? Pas de visite? Pas de femme? Je veux dire, personne qui serait venu de l'extérieur. Non, il recevait personne. Et alors, vous avez fait quoi pendant tout le temps qu'il n'était pas là? J'ai attendu. Vous pensiez qu'il allait revenir? Non, on pensait qu'il avait glissé et qu'il était tombé. Dans le port? Un homme qui ne boit jamais? Ben oui, mais il y avait du brouillard cette nuit-là. Alors, c'est ensuite, comme on n'a pas retrouvé le corps, on s'est dit qu'il était peut-être parti. Pour aller où? Mais justement, c'est ça qu'on ne comprenait pas. Vous allez trouver, hein? Vous allez pas le laisser tomber comme les autres? Parce que quand il a disparu, ils avaient tous l'air de trouver ça naturel. Mais c'est jamais naturel de disparaître comme ça, jamais! Et puis de revenir comme ça, comme un étranger. Comme un fantôme. Le capitaine du port? Capitaine, c'est un bien grand mot. Je fais la circulation, comme un flic à un carrefour. Et vous, vous êtes qui? Commissaire Maigret, police judiciaire. C'est vous qui avez ramené Monsieur Joris? Oui, c'est moi. Vous le connaissez? Non, je le connais, mais pas bien. Je le remplace. Alors forcément, quand il est là, j'y suis pas, et quand j'y suis, il n'est pas là. Ça limite les contacts. Vous l'aimez pas? Oh, je l'aime bien. On n'est pas pareil. C'est un monsieur. Et puis c'est un vrai marin. Le capitaine Joris, Yves Joris, on voit tout de suite que c'est un pur breton. Ça fait sérieux. Moi, on croit toujours que je suis berrichon. Vous êtes capitaine aussi, vous avez navigué. Marine marchande. J'ai fait le tramway, 12 ans. Nantes-Bordeaux, Bordeaux-Nantes. Et on recommence. Je suis aussi bien ici. Vous avez la liste des bateaux qui sont passés la nuit où le capitaine Joris a disparu? Le 23 mars. Oui, c'est ça, le 23 mars. La date, je m'en souviens parce qu'on m'a appelé le lendemain pour le remplacer. Vous avez la liste? Il y a un registre, mais il est à la capitainerie. Il n'est peut-être pas parti en bateau. Et il n'est toujours pas parti à la nage. Faut bien que je commence quelque part. Il y a les heures de passage dans le registre? Oh, les heures, c'est pas compliqué. C'est entre le début et la fin de la marée. Ben, c'est long, une marée. Autant que ça. Et celle-là, elle en est où, de marée? On a fini. C'était le dernier. Vous venez boire un verre? C'est le commissaire de police de Paris. Asseyez-vous, commissaire. Ah, c'est vous qui avez ramené Monsieur Joris de Paris? Oui, c'est moi.
C'est vrai ce qu'on dit? Qu'il ne parle plus et qu'il a perdu la boule? Ah oui, il parle plus. La même chose. C'est sa domestique qui l'a reconnu en voyant sa photo dans le journal. Ah, nous aussi on a vu la photo. Oui, vous l'avez peut-être vue, mais c'est elle qui est venue. C'est normal. Elle, ça l'intéresse. Julie Legrand, elle est d'ici? Ah non, 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 elle est de Port-en-Bessin. C'est la fille d'un pêcheur de là-bas. Enfin, pêcheur. S'il avait passé autant de temps à pêcher qu'à boire du calva, il aurait fallu ouvrir une conserverie rien que pour lui. À votre avis, Julie et le capitaine Joris... Elle est sa maîtresse ou pas? Vous savez, nous, on les connaît pas si bien que ça. Hein. Il vient ici, quand même. Ouais, un verre. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, il boit son verre. Il est poli, il n'y a rien à dire. Mais il n'en boit pas deux, il est vite rentré. C'est dans sa nature, il n'est pas très liant. Et la petite Julie, elle se croit pareil. Ça lui va bien de faire sa pimbèche. Elle vient de rien du tout. Et maintenant, elle prend des airs supérieurs. Vous dites ça à cause de son frère? Le frère de Julie. Vous savez pas qu'elle a un frère? Bah, il est marin, pourtant. Il navigue à bord d'un caboteur qui passe souvent ici. Louis Legrand, à bord du Saint-Michel, ça vous dit rien? Ah oui. Oui, mais nous ici on l'appelle le Grand Louis. Ah. Jamais Louis tout court, c'est pour ça on n'avait pas fait le rapprochement. On voit pas souvent le Grand Louis. Il est là quand le Saint-Michel passe, c'est forcé, et encore. Il se manque pas beaucoup. Il quitte pas son bord. Il vient pas voir sa sœur? Non, Joris l'aime pas. Pourquoi il l'aime pas? Parce qu'il a passé 6 ans en prison. Vous nous faites marcher, hein? Vous savez pas que vous étiez déjà si bien renseigné? C'est mon métier. Tenez, c'est à l'étage. Il y a le même numéro sur la porte. C'est quoi ce qu'on entend? Ah, ça, c'est la corne de brume. Et ça va gueuler comme ça toute la nuit? Tant qu'il y a du brouillard. Mais vous savez, au bout d'un moment, on s'y habitue. Commissaire. Hein? Venez vite. C'est imminent. 2 minutes. 3, peut-être. Il y a encore des soubresauts, mais le regard est complètement parti. Il ne peut plus respirer. Alors il cherche l'oxygène. Ça y est. C'est fini. Approchez. Vous ne marquez rien? Strychnine. C'est imparable. Pas besoin de faire une autopsie. Oh, on va en faire une quand même, je sais bien. Mais ma main a coupé. Strychnine, qu'est-ce que je disais? Qu'il a dû avoir soif pendant la nuit et... Julie. C'est de l'eau dans la carafe? Oui, c'est moi hier soir. Il a mis,
Il aimait bien avoir de l'eau près de lui quand il se réveillait la nuit. Vous n'avez rien entendu? Pourtant, il a dû appeler, il a dû crier. C'est toujours le problème avec la strychnine. Au début, surtout, on souffre, alors on crie. Il parlait plus. Comment ça, il parlait plus? D'une grosse ferme, il y a une dizaine d'années. Il avait vendu. Il n'a pas de famille. Oh, il reste plus personne. Vous allez l'arrêter? Pourquoi voulez-vous que j'arrête? Elle ne va pas se sauver. De toute façon, si elle se sauve, elle n'ira pas loin. Et puis, elle est bien ici. Elle est chez elle, maintenant. En tout cas, je ne peux pas délivrer de permis d'inhumer, moi, vous comprenez? Mais personne ne vous le demande. Il a été empoisonné, on va ouvrir une enquête, on va pas la clore avant même de l'avoir commencé. Non, non, on fait ce que vous avez dit, autopsie et tout le tremblement. Commissaire Maigret, Eugène Grandmaison, je suis le maire. Hier soir, j'ai su trop tard votre arrivée pour vous saluer. Et ce matin, j'étais à la chasse. Vous êtes vous-même chasseur, monsieur le commissaire? À Paris, je n'ai guère l'occasion. Ici, c'est le canard. C'est une chasse. C'est particulier. Très excitant. Je suis d'une région de plaine. Alors, c'est plutôt le perdreau ou le lapin. Je connais moins. Mais le canard, vous devriez essayer si vous ne l'avez jamais fait. C'est un tir très difficile. On a très peu de temps. On n'a pratiquement pas droit à l'erreur. Il paraît qu'elle l'a empoisonné. On l'a empoisonné, oui. Vous n'avez pas arrêté cette jeune femme, la bonne du capitaine? Ah non. Mais pourtant, j'ai croisé le docteur, il m'a dit que... Oui. Je ne suis pas policier, je ne voudrais pas faire votre métier. Mais d'après ce que j'ai compris, je ne vois pas qui d'autre aurait pu. Et puis elle a un mobile. Un mobile? L'héritage, non? Ah oui. Mais alors, la première fois, ce serait elle aussi? La première fois. Avant d'être empoisonné, le capitaine Joris a été victime d'une première tentative d'assassinat par balle. Ah oui, vous avez raison, je l'ai lu dans le journal. Et la première fois, ça ne peut pas être elle. Vous la voyez en train de tirer sur ce malheureux? Vous savez, moi, je la connais à peine. Mais c'est vrai que ça paraît tout de même assez bizarre. Elle a peut-être un complice. Alors pourquoi serait-elle venue à Paris pour le chercher quand on l'a retrouvé? Je n'y avais pas pensé. Vous voyez. Mais l'important, c'est de déterminer qui l'a vraiment tué. Si auparavant quelqu'un l'a raté, c'est un autre problème, non? Ah, pas juste. Il faudrait que je passe le voir, non? Mais vous êtes le premier magistrat de la commune. Je vais peut-être me changer. Il faudrait que je passe voir ma femme avant qu'elle... Vous m'attendez? Oui, oui. Drôle de type. Renfermé, secret. Vous le connaissiez bien? Pas vraiment. Il a navigué pour moi. Navigué pour vous? Nous sommes armateurs, on a dû vous le dire. En fait, toute sa carrière, il l'a faite chez nous. Tant qu'il naviguait, avant d'être au port, avant d'être ici. 28 ans. Donc même avant moi, pour mon père. Un bon élément. Julie?
l'hôtel. Julie. Il y a du café. Vous avez des enfants, monsieur le maire? Un seul. Un fils, chasseur? Pas encore, mais je suis sûr que... Là, il commence tout juste, il a 11 ans. Et puis en ce moment, il n'est pas là, il est pensionnaire chez les pères maristes. Si vous voulez passer au salon pour le café. Eh bien, allons au salon. Donnez-moi ça. Julie, donnez-moi ça. Donnez-moi ce papier. Julie, fais attention, il y a des gens qui veulent du mal à ton patron, Louis. Je pense que c'est votre frère. Vous savez lire, il a signé. Quand a-t-il déposé ce message? Sûrement hier. C'est le seul jour où vous n'étiez pas là, puisque vous étiez avec moi à Paris. Si j'avais trouvé plus tôt, j'aurais su quoi faire. Vous auriez fait quoi? Protéger Monsieur Joris. Le protéger de qui? Quels sont ces gens qui lui veulent du mal? C'est de ma faute. C'est de ma faute s'il est mort, c'est de ma faute. Bon, gosse. Ah là là, quelle comédie. Mais quelle comédie. À peu près, elle se roulait par terre. N'exagérons rien. Joris l'a traité avec trop d'égards. Ça lui a tourné la tête. Vous croyez qu'elle était sa maîtresse? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout est possible. En tous les cas, c'est la seule qui l'a reconnue dans le journal. Joris? Tout le monde l'avait reconnue. C'est la seule qui a averti la police. Oui, mais il fallait aller à Paris, il fallait prendre le train, c'est toute une histoire. Ça n'amuse personne. Elle aurait pu se dire la même chose. Elle habitait chez lui. À partir du moment où il avait reparu, il fallait bien qu'elle se manifeste. Ne serait-ce que pour pouvoir le tuer. Dans un premier temps, elle se débarrasse de lui. Il disparaît. Peut-être bien qu'elle le jette dans le port. Probablement en compagnie de son frère. C'est un ancien condamné. Vous savez qu'il a fait de la prison. Oui, je sais. Donc il le jette dans le port. Puis manque de chance, le voilà qui revient. Comment? Il revient comment? Un navire qui l'aura repêché. Mais attendez, entre-temps, elle a découvert le testament. À partir de là, il faut qu'il soit mort. Elle en a besoin, vous me suivez? J'essaye. Je ne voudrais pas faire votre travail à votre place. Non, non, rassurez-vous. Je connais bien ce pays. La psychologie des gens. C'est essentiel, la psychologie. La preuve, c'est qu'ils votent pour moi à chaque élection. Vous aviez deviné. Le 23 mars, le Saint-Michel était ici. Ah. Vous avez deviné. Maintenant, c'est moins important. Puisque le capitaine Joris s'est fait tuer. Je peux aller voir un coup. Est-ce que quelqu'un a revu le frère de Julie ici, depuis le 23 mars? Grand Louis? Le bateau n'est pas repassé, donc lui non plus. Il était là hier. Ici? Hier? Personne ne l'a vu? On n'a vu personne verser la strychnine dans le verre de Monsieur Joris, et pourtant il en est mort. Je commence à me fatiguer de vous entendre mentir. Je vous ai pas menti? Vous m'avez dit que Grand Louis ne quitte jamais son bord, et pourtant il le quitte, j'en ai la preuve. J'appelle ça mentir. Il y a encore beaucoup de choses que vous me cachez? Quand il est passé le 23 mars, le Saint-Michel est arrivé tout à la fin de la marée. Il n'y avait pas de problème pour passer l'écluse, mais il commençait à se faire tard pour prendre la mer. Comment ça, tard? En fin de marée dans le chenal, il n'y a plus tellement d'eau. Si on part quand même,
on peut aller caresser les cailloux. Quand on est vraiment pressé, on prend le risque. Sinon, on attend qu'il y ait de l'eau. Et Saint-Michel était pressé? On aurait pu croire, puisqu'il est passé. Mais une fois passé, il a attendu. Ben non, je vois pas l'intérêt. Ah non plus. On n'aurait qu'à leur demander. Ils arrivent tantôt. Ça va, vous avez fait vite. On a bien marché, il était pressé. Et quand il est pressé, il nous fait filer. C'est vrai que j'aurais essayé de rentrer. Et il est rentré. Et il est reparti. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est mort. Il est mort? Il a été empoisonné dès la première nuit qu'il était chez lui. C'est le commissaire de Paris qui va faire l'enquête. Capitaine Lanec, j'ai quelques questions à vous poser. Non, vous aussi. Vous êtes bien Louis Legrand, dit Grand Louis, le frère de Julie. C'est pas la peine de me sortir mon casier judiciaire, je le connais déjà. Alors c'est l'équipage au grand complet. Grand Louis est un bon marin quand vous au moins deux. Ah, parfait. Mais alors hier, c'était plus compliqué, parce que Grand Louis n'était pas là. Comment vous avez fait? Vous étiez à terre hier? Vous prétendez que vous n'y étiez pas? Si vous dites que j'y étais, c'est que j'y étais. Vous avez déposé chez votre sœur dans la cuisine un billet disant que le capitaine Joris était en danger. Et alors, j'avais pas raison? Comment saviez-vous qu'il était menacé? Pas mal à m'avoir deviné déjà qu'il avait le crâne fendu. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour remonter le canal. Je resterai à terre jusqu'à votre retour. Vous allez chez votre sœur? Sûrement pas, non. Ça m'emmerde de voir les gens chialer, moi. On suit le canal pour monter au port. Pour charger du fret, on n'a pas besoin de lui. Alors, Lanec vous a dit pourquoi le 23 mars il a passé les coups avant la nuit? Non. Il a dit qu'il avait le droit. Grand Louis est à terre. Oui, je l'ai vu passer. Et quand il ne va pas chez sa sœur, où va-t-il? Il va dormir dans un rafio abandonné un peu plus loin. Il y a des marins qui, même au port, ne supportent pas de dormir à terre. C'est au fond du bassin, là-bas. Vous voulez pas me foutre la paix un peu? Il y a quelqu'un avec toi, là-dedans. Vous n'avez qu'à venir voir, ça vous intéresse tant. Son annexe dans le bassin. Prends une gaffe. Essaie de le bloquer. Le Saint-Michel? Ça m'étonne d'eux, tiens. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Oh, c'est pas leur genre au Saint-Michel de laisser détacher leur annexe. C'est le genre de personne. Je l'ai! Plus de ça, avec le temps qu'il fait, il aurait dû être sur le pont, leur canot. Enfin, pas comment ils l'auraient laissé en remorque. Ils font comme ils veulent. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en est servi.
Du canot ? Pour quoi faire ? Pour débarquer avant l'écluse. C'est du roman, tout ça. Heureux caractère. C'est un bon marin. Dites-moi, mon vieux, il y a quelqu'un d'autre que Grand Louis qui dort dans le rafio ? J'en sais rien, moi. Tout le monde peut y aller ? Tout le monde est n'importe qui. Mais déjà, faut aimer ça. Alors c'est surtout Grand Louis. Je peux téléphoner ? Oh, je vous en prie. Bonjour mademoiselle, c'est le commissaire Maigret à l'appareil. Pouvez-vous me passer la police judiciaire à Paris ? Non, en priorité. Merci. Allô, c'est Maigret. Passe-moi Lucas. Allô, Lucas, j'ai besoin de renfort. Le Saint-Michel est arrivé avec un homme caché à bord. Je peux pas surveiller tout le monde à la fois, tout seul, j'y arriverai pas. Non, je l'ai pas vu, mais j'en suis certain. Il attend la nuit, avant il bougera pas. C'est pas un marin, il est trop repérable. Non, ça doit être un bourgeois. Il s'est réfugié dans une sorte de rafio, je vais le guetter. Ah, si ça se trouve, je vais devoir y passer la nuit. Ah, oui, je sais, j'ai l'habitude. Mais pas de nuit de suite. Écoute, si tu peux pas venir, tu m'envoies quelqu'un. Mais ça m'est égal, c'est pas mon problème. Tu m'envoies qui tu peux et vite.
Vous avez de l'appétit, vous, au moins. Oui, bon, je suis pas le seul. Hein. Grand Louis est venu chercher un encart très tôt ce matin. J'ai eu l'impression qu'il se privait pas non plus, non? Marquez, c'était peut-être pas pour lui tout seul. Hein? C'était peut-être pour deux. J'en sais rien, moi. Est-ce qu'elle peut bien aller par là? C'est Julie Le Mans, vous la connaissez? Où est-ce qu'elle peut aller par là? Calmez-vous, Julie. Je passe. Vous n'allez pas vous battre ici. Notre-Dame de la Mer, faites que le projet de mon frère Louis réussisse et que nous soyons heureux le 20 mars. C'était 3 jours avant la disparition du capitaine Joris. Le faire disparaître, c'était ça le projet? Vous êtes vraiment tous pareils. Les juges. Les policiers. On fait une bêtise à 20 ans, on le paye jusqu'à la fin de sa vie. Mais mon frère, il a été condamné pour ce qu'il a fait, il a payé sa dette, mais ça, ça vous suffit pas. C'était quoi le projet? Même si je vous le disais, vous croyez le contraire. Mais non, je... Écoutez, si Louis voulait s'en prendre à M. Joris, c'est moi qui l'aurais trouvé d'abord. C'était quoi le projet? Louis avait rencontré un monsieur très riche. Je sais plus où, au Havre ou en Angleterre. Un monsieur qui voulait un yacht, alors il en a parlé à son patron. Un mec? Oui. Ça faisait longtemps qu'il voulait le vendre, Saint-Michel, mais il pouvait plus à cause de la crise. Et c'est votre frère qui sert d'intermédiaire? S'il arrive à le vendre, il touche à de l'argent. Puis après, ils ont décidé qu'il pouvait rester à bord pour aménager après les travaux. Il connaît le bateau, c'est un bon marin. L'acheteur, vous savez qui c'est? Un Français, un étranger? Non, je sais pas. Vous croyez pas? Vous croyez que je mens? Non. Je crois pas que vous mentiez, Julie. Tenez. Vous pouvez le remettre. De toute façon, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Louis ! Louis Le Grand ! Grand Louis ! Grand Louis ! Qu'est-ce que vous avez à vous regarder comme ça ? Il est pas là. Ça sert à rien de l'appeler. Vous voyez bien, le canot est à quai. Le canot est à quai, le canot est à quai. Vous l'avez vu partir ? Ouais, je l'ai vu. Et même si je l'avais pas vu, le canot est à quai. Donc il est pas là. Non, mais vous l'avez vu ? Ouais, il est descendu. Seul ? Seul ? Bah, est-ce qu'il y avait quelqu'un à bord avec lui ? Mais qui y aurait eu? À part Grand Louis, il n'y a jamais personne là-dedans. Il n'y a vraiment que lui. Commissaire, patron. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je suis venu vous aider.
C'est Lucas qui m'envoie. Il y avait personne d'autre. Mais tu sais rien faire, toi. D'accord, c'est pas ta faute, mais t'es jamais sorti de ton bureau. C'est à cause de mon asthme. Ça va mieux. Il paraît que c'était surtout nerveux. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide, pas de quelqu'un à qui il faut tout apprendre. Je ferai tout mon possible, patron. Lucas, t'as mis au courant? Non, il a pas eu le temps. Ah, il va m'entendre, celui-là. Je te garantis qu'il va m'entendre. Bon, allez, viens, on va boire une bière. Ah non, patron, je bois pas d'alcool. Bah, tu boiras une tisane. Et si je comprends bien, tout le monde vous ment? Non, pas tout le monde. Il y en a qui se taisent. Et Julie, celle qui a reconnu capitaine? Ah, tu as raison. Celle-là, elle ment pas. Elle dit ce qu'elle sait, mais elle sait rien du tout. Elle répète les mensonges des autres. Si seulement Grand Louis n'avait pas filé. Grand Louis? Qui c'est Grand Louis? T'as écouté quand je t'ai expliqué? Bah oui, patron, mais Grand Louis, vous m'avez rien dit. Louis le Grand, le frère, le marin. Ça va? Tu t'y retrouves? Bah oui, patron, je sais très bien qui c'est. Vous m'aviez pas dit qu'il s'appelait Grand Louis? Bon, excuse-moi, je ne te l'avais pas dit. Bon, maintenant, c'est fait. Tu peux te mettre à jour. Mais non, c'est pas ça, patron. Mais s'il s'appelle Grand Louis, je sais peut-être où il est. En venant dans le taxi, on est passé devant une grande maison, il y avait un matelot qui rentrait dedans. Et le chauffeur, il a dit, tiens, ça, c'est pas banal. Là, le Grand Louis qui s'en va chez notre mère. T'es pas obligé d'imiter l'accent. Bon, je vais aller chez le maire. Toi, tu vas surveiller l'Arfio. Au cas où l'autre homme y sera encore. Bonjour, commissaire. Vous êtes blessé? Vous avez eu un accident? Ah, je... un faux pas. J'ai fait une chute malheureuse dans l'escalier. Vous venez me parler de votre enquête? Dans l'escalier. Vous avez dû avoir une de ces peurs. Hein? Surtout madame Grandmaison. Ma femme, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Et quand elle vous a vu tomber? C'est très impressionnant, hein? Moi, personne ne m'a vu. Je suis tombé tout seul. D'ailleurs, ma femme n'est pas là. Elle est à Paris. Mon fils non plus n'est pas là. Il est au collège. Je suis seul dans la maison. À ce qu'on me dit, vous n'avancez guère. La petite bonne est libre. Et vous, vous vous promenez avec elle sur la plage. Et madame Grandmaison est à Paris. Nous y passons toujours une partie de l'année. On fait des allers-retours. Enfin, vous voyez, ouvrir l'appartement, fermer l'appartement. J'ai des plaintes, moi. Enfin, pas exactement des plaintes, mais... mes administrés se demandent ce que vous fabriquez. Ah, ça, je comprends. Ouais, une sacrée blessure, hein. Sur quoi est-ce que vous êtes tombé? Sur rien. Par terre, sur le sol. Vu d'ici, on dirait plutôt que vous avez pris un coup de poing. Ou alors un bon. Hein. Vous avez entendu? Non. Si. Je vous assure. Juste derrière la porte. Tiens, Jean-Louis. Quelle surprise, entre. C'est dommage que tu sois pas arrivé plus tôt, Jean-Louis. Tu aurais pu retenir monsieur le maire dans l'escalier. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui l'ai fait venir. Pour l'interroger. Moi aussi, je mène mon enquête, figurez-vous. Très bien.
Ça vous ennuie pas que je poursuive la mienne? Au contraire. Parce que j'avais justement quelques questions à poser à Monsieur Louis Legrand, ici présent. J'ai encore moi-même une ou deux questions à lui poser. J'espère que vous aurez l'amabilité de me communiquer le résultat de vos investigations. Je t'avais dit de surveiller le rafio. Il est sorti, l'homme était dedans. Et vous aviez raison, il se reprend encore dans la... Mais où est-il? Alors, je me suis dit qu'il fallait que je le suive et sans me faire voir. Je crois que j'ai réussi ma part pérée. Et il est venu ici. Ici, où? Derrière la maison, il s'est caché. On dirait qu'il attend quelqu'un. Bah, montre-moi. Oui. Il n'y est plus. Vous croyez qu'il est entré? Excusez-moi, j'ai oublié ma pipe. Qu'est-ce que c'est? C'est le policier, il dit qu'il a oublié sa pipe ici. Eh bien, cherchez-la. Et apportez-nous à boire aussi. Ah oui, quand vous lui aurez rendu sa pipe, vous pourrez nous apporter des rafraîchissements. Si je ne l'ai pas trouvée dans le salon, votre pipe, monsieur le commissaire, vous ne la trouverez pas non plus. Là, vous n'êtes même pas allé la fumer. J'ai dû l'oublier ailleurs. Alors, patron, il est dans la maison. Tu vois les trois fenêtres éclairées? Ce sont les fenêtres du salon. Ça doit être possible de voir à l'intérieur. Ouais, c'est un peu haut, non? Monte sur le mur. Sur le mur? Oui. Faut que vous m'aidiez à grimper dessus, patron. Tout seul, je ne saurais pas. Alors, qu'est-ce que tu vois? Rien. Un coin de la pièce, mais il n'y a personne. Bon, alors bouge. En suivant le mur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Hey, l'autre là, celui que j'ai suivi, il est pas là. Hein. Ou alors dans l'angle mort. Hey, le marin, le costaud. C'est lui qui gagne aux dames. Il est même nettement plus fort que le maire. Mais je m'en fous qu'il gagne. Dis donc, celui que t'as suivi, il était comment? Je vous l'ai dit, patron. Rupin. Rupin, avec des diamants dans les oreilles? Ah ben non, mais il faisait riche quand même. Avec un costume clair, vous voyez, genre... j'ai pas peur de me salir, j'ai de quoi. 35, 40 ans, brun... Ouais, et où il est maintenant? Mais patron, vous êtes sûr que c'est en rapport avec l'histoire du bonhomme qu'on a retrouvé, là, celui qui vient d'être tué, l'amnésique? Surveille au lieu de te poser des questions. Patron, vous entendez? Qu'est-ce que j'entends, moi? Le téléphone! C'est chez eux que ça sonne. C'est le maire qui va répondre. Non? Quand Louis l'envoie valdinguer, oh, le maire, il va se rasseoir vite fait. Bon, c'est notre homme. Hein? Au téléphone? Oui. C'est le Rupin. Tu surveilles, je reviens tout de suite. Bonsoir, capitaine. Allô. Bonjour, mademoiselle. Commissaire Maigret, police judiciaire. Ah, c'est encore vous. Ben, décidément, vous n'arrêtez pas.
Bon, et dites-moi, vous venez de passer une communication chez Monsieur Grand Maison, le maire. D'où venait cet appel? Du buffet de la gare. Vous restez en ligne, hein, surtout ne coupez pas. Combien de kilomètres d'ici la gare la plus proche? 12, au moins 12. Oh non, non, ça dépend par où t'arrives, si tu coupes à droite juste après la conserverie. C'est le contraire. La route est fichue, tu mets plus longtemps. Mais enfin, je le fais tous les jours. Et moi aussi, je le fais tous les jours. Bon, à vélo, ça fait quoi, une demi-heure environ? Oui, ouais, à peu près, oui. Allô, mademoiselle, vous êtes toujours là? Passez-moi le commissariat central, s'il vous plaît. Merci. Allez voir s'il n'y aurait pas une bicyclette qui aurait disparu. Commissariat central, passez-moi l'inspecteur de permanence, s'il vous plaît. Oh, 35-40 ans. Bourgeois, brun, assez grand. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un complet très clair. Oui, il y a 10 minutes, du buffet de la gare. Un coup de téléphone, il y en a peut-être une autre, vous vérifierez. Si vous soupçonnez qu'il a pris un train, vous faites le grand jeu, vous prévenez les gares. Il faut le localiser et l'intercepter. C'est bon, vous avez noté? Bien. S'il y a du nouveau, vous pouvez appeler ici, le café sur le port. Si, je t'assure. Attends, le gars. Patron, on va sans doute me téléphoner, envoyer quelqu'un pour me prévenir. Je serai là-haut dans la rue. Là où il y a la maison du maire. Oui. Commissaire, mon vélo, il s'est fait la malle. Ah, vous voyez, je vous avais prévenu. Mais vous inquiétez pas, vous le retrouverez. Quand je vais le retrouver? Demain. Et ce soir, je vais rentrer comment? Ah, ce soir. Tu vois rien comme ça? Vous m'avez fait peur, patron. Tu dormais? Non. C'est plutôt eux qui vont s'endormir. Ils font plus rien, ils jouent même plus aux dames. La vieille, la domestique, elle est allée se coucher dans sa chambre tout en haut, j'ai vu la lumière. Et eux, depuis, tout ce qu'ils font, c'est de picoler. Tous les deux? Surtout Grand Louis. Une de ses descentes. Tu crois que le maire essaye de le saouler? J'y avais pas pensé, mais je crois que vous avez raison, patron. Mais patron, il y a quelqu'un qui vient. Ah, c'est pour moi. Je reviens tout de suite. On l'a pisté depuis son coup de téléphone. Oui. De là, il est allé au guichet et il s'est renseigné sur les horaires de train pour Paris, mais il n'y en avait pas. Ah, ensuite, il a voulu louer une voiture. Mmh. Impossible. Alors, il en a acheté une. D'occasion, mais bien. Jaune. Décapotable. Au garage, on a dû le manquer de quelques minutes. Ah oui, au fait, il a laissé un vélo et une somme d'argent pour dédommager la personne à qui il l'avait emprunté. Vous avez l'immatriculation de la voiture? Oui, commissaire. Faites établir des barrages sur la route de Paris. C'est déjà fait, commissaire. Alors vous l'interpellez et vous le ramenez ici. D'accord, mais sous quel prétexte? Vol de bicyclette. Monsieur le commissaire, pour mon vélo, vous avez des nouvelles? On l'a retrouvé, vous l'aurez demain, avec un peu d'argent. Vous pouvez dormir à l'hôtel? Ah non, pas si bête, l'argent, je la garde. C'est la porte ouverte. Qu'est-ce que vous préparez, là? Du chocolat. Ensuite, je mets du sucre, c'est très nourrissant. Je préfère parce que j'ai pas le courage de me faire la cuisine pour moi toute seule. Vous en voulez? Oh non, merci. Le maire Grand Maison, comment s'entendait-il avec Monsieur Joris? Il naviguait pour eux dans le temps. Ça, je sais.
C'est tout? Parfois, ils chassent ensemble, mais ça, c'est pas de l'amitié, ça. C'est seulement que monsieur le maire, il aimait pas chasser tout seul. Alors, quand il y avait personne, ben, c'était avec monsieur Joris. Vous croyez que je vais avoir des ennuis? Des ennuis? Pourquoi? Pour l'héritage. Oh. J'ai reçu une lettre du notaire, il y a beaucoup d'argent, hein, beaucoup plus que je croyais. Hein. Et puis, il cachait bien qu'il était si riche, hein, monsieur Joris. Mais, si vous n'avez rien fait de mal, vous n'aurez pas d'ennuis. Normalement. Votre frère non plus. Non, c'est que... Il boit un peu trop, Louis, mais ça va pas plus loin. Et puis, monsieur Joris, il lui disait de faire attention, c'est tout. Et entre le maire, Grande Maison et votre frère, comment ça se passe? Pas très bien. On vous a raconté? Non, c'est pas ça. Il y a eu des incidents avec le maire. Il disait que Louise est du tapage sur le port. Personne l'aime, ce monsieur le maire. Même comme armateur, les marins l'aiment pas. Il paye comme les autres, même plutôt mieux, mais c'est pas pour ça que tout le monde le déteste. Ça, Louise n'était pas le seul. Hein. Vous vous trompez, Julie. Votre frère et monsieur Grande Maison sont les meilleurs amis du monde. Ils jouent aux dames ensemble. Ne vous éloignez pas trop de chez vous, Julie. J'aurais peut-être besoin de vous revoir. On n'a pas appelé? Si, il y a du nouveau. Et on vous a dit quoi? Rien, je suis pas policier. Il n'y a pas un numéro qu'il faut que je rappelle? Tiens, petit, je t'ai apporté un sandwich. Alors là, patron, comment vous avez deviné? Que t'avais faim? Parce que j'avais faim. Alors, comment ça se passe là-dedans? Oh, pareil, il dort à moitié. Continue de surveiller pendant que tu manges. Mmh. Ça t'intéresse de savoir où on en est? Mmh. On a rattrapé ton bonhomme. Ils vont nous le ramener pour que tu puisses l'identifier formellement. C'est un étranger. Un étranger? Il avait pas l'air, hein? Ouais, un Norvégien. Norvégien. Oui, enfin naturalisé. Mm. Parce qu'il a un nom bien français, Raymond Martineau. N'empêche qu'il a l'intention de se plaindre à son ambassade. Hein. Oh, merde. Patron, regardez. Mais regardez, patron, il le cogne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le maire, Grand Louis, il le cogne. Descends. Allez, descends, vite. Saute. Mets-toi dos au mur. Allez. Mais t'as raison. Il lui tape dessus. Bah alors qu'est-ce qu'on fait, patron? Allez, viens. T'as ton ouvre-boîte? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Cet homme vous frappait. Qu'en savez-vous? Tu ne le frappais pas? Nous nous sommes expliqués. Cela ne regarde que nous. Retiens bien ça, mon petit Verduret. Quand un homme comme M. Grand Maison se laisse maltraiter sans appeler la police, il y a une bonne chance pour qu'il ait quelque chose à se reprocher. Je ne vous permets pas. S'il connaît M. Martineau, qui nous vient de Norvège. Je ne sais pas si tout le monde me connaît dans cette pièce, mais moi, en tout cas, je ne connais personne. Je suppose que vous êtes policier. Est-ce que vous auriez la bonté de m'expliquer ce que je fais ici? Alors, comme ça, personne ne sait rien. Monsieur le maire se fait rouer de coups par Grand Louis, il trouve ça tout naturel. Il n'a rien à déclarer là-dessus. Personne ne connaît M. Martineau, qui ne connaît personne. Pas même Grand Louis.
avec qui il a passé la nuit, pourtant. Et dans une épave, encore. Et c'est par hasard que M. Martineau passe par ici, avant de voler une bicyclette et de filer tout droit vers Paris. À propos, pourquoi Paris, M. Martineau ? Je suis obligé de vous répondre. Mais rien ne vous y oblige, mais j'en serais très heureux. Bien, voyez-vous, c'est une ville que j'aime beaucoup, oui. À côté de Paris, la Norvège, c'est un peu province. Très bien. Vous ne voulez rien dire. Aucun d'entre vous. Vous savez, ce que vous me cachez, je finirai bien par le découvrir. Et à ce moment-là, ça ira mal. Beaucoup plus mal. Vos bateaux vont souvent en Norvège, monsieur le maire. En Norvège ? Oui, plus autant qu'avant, mais toujours un peu. Avant, vous voulez dire du temps où le capitaine Joris navigua pour vous ? Par exemple ? Oui, c'est vrai, Joris faisait la Norvège. Il y rencontrait peut-être un certain monsieur Martineau. C'est grand Louis qu'il sait. Toi, grand Louis, en lui tapant dessus cet après-midi, t'as obtenu quelque chose du maire et tu l'as transmis à monsieur Martineau. Qu'est-ce que c'était ? Et vous ? Pourquoi vous n'avez pas porté plainte ? Je porte plainte. Contre vous ? Vous savez pourquoi ? J'ignore de quoi vous parlez, mais je laisserai à mon ambassade le soin de prendre les mesures qu'il faut. Très bien, mais messieurs, dans ce cas, je vous demanderai de vous tenir à la disposition de la justice. Patron ? Qu'est-ce que tu veux ? Je peux vous parler en particulier ? Vous me les surveillez. Bien, commissaire. Vous pouvez pas faire ça, patron, on n'a rien contre eux. Eh oui, mais comment faire autrement ? Il y en a bien un qui va se décider à parler. Et si c'est pas le cas ? C'est un risque. Monsieur le maire, considérez-vous comme consigné chez vous jusqu'à nouvel ordre. Un gendarme y veillera. C'est un abus de pouvoir qui vous coûtera cher. C'est possible. Monsieur Martineau, vous vous installerez à l'hôtel juste au-dessus du café du port, sous la surveillance de l'inspecteur Verduret. Ah, ceci vous appartient, je crois. Grand-Louis, tu viens avec moi. Grand-Louis, où c'est que t'étais ? Faut qu'on y aille. Dans 2 heures, il n'y a plus d'eau. Allez, attendre à bord. Pour l'instant, c'est moi qui ai besoin de Grand-Louis. Montez à bord, vous allez prendre froid. Ça me fait drôle d'être ici tous les trois dans la maison d'un mort. Moi, je ne l'ai pas connu, je m'en fais une idée. Il a vécu comme il a voulu. Il a navigué, puis quand il a plus pu naviguer, il est resté ici, près de la mer. Assez près pour pouvoir l'entendre, la mer. Il parlait pas beaucoup, mais il avait du cœur. Toi, il t'a engueulé, hein, grand Louis. Plus qu'une fois. C'est parce qu'il t'aimait bien, tu vois. Et ta sœur aussi. Et voilà. Il est mort. Et pas de sa belle mort. Il a été tué, pas joliment du tout. Et depuis qu'il est mort, il n'a plus d'amis. Il n'a plus d'amis. Je suis le seul. Parce que je suis le seul à me battre pour que son assassin ne vive pas tranquille. Et devant moi, il n'y a que des gens qui mentent ou qui se taisent. C'est pas vrai, je vous ai dit tout ce que je savais. Mais je sais bien, Julie, vous m'avez tout dit, mais vous ne savez rien. Votre frère sait quelque chose. Seulement lui, il se tait. Écoute le commissaire, là, hein. Aide-le si tu peux l'aider. Aide-le. Vous voyez ? Tu sais comment on appelle ça dans notre métier, un témoin qui ment ou qui refuse de parler ? On appelle ça un suspect. Et dans ton cas, c'est même un suspect idéal. Un suspect qui avait tout intérêt à la mort du capitaine Joris pour faire hériter sa sœur. Ne t'amuse pas, ça.
bêtise. Écoute, attends, parle-lui au commissaire, dis-lui ce que tu sais. Dis-lui ce que... Sinon, il te met en prison. Dis-lui que t'as rien fait. Moi, je sais que t'as rien fait. Allez, je ne suis pas l'idiot. Est-ce que vous croyez que je sais pas où vous êtes armé, hein? Alors comme ça, vous voulez m'arrêter? J'ai tout mon temps. Pour l'instant, on monte à bord du Saint-Michel. Allez. Pas cette nuit. On va causer. Votre marin et l'autre. Il est à bord? Célestin? Oui. Faites-le venir ici. Je veux vous avoir tous les trois en face de moi. Célestin! Assieds-toi, toi. Vous aussi. Vous attendez l'annec, faites-les asseoir. C'est vous le capitaine. C'est bien ce qui est écrit sur le rôle d'équipage. À propos, où il est, le rôle d'équipage? On peut le voir. Allez! Michel, capitaine Joseph Lanec, matelot Célestin Godet, propriétaire armateur Louis le Grand de Port-en-Bessin. Alors comme ça, t'es le nouveau propriétaire du bateau? Remarque, pas depuis longtemps. Le 20 mars. Trois jours pile avant la mystérieuse disparition du capitaine Joris. C'était talent, non? Ça lui prend souvent? Il comprend pas ce que vous dites, il ne parle que le breton. C'est monsieur Martineau qui a acheté le bateau, hein? Toi, t'es qu'un prête-nom, un homme de paille. Qu'est-ce qu'il t'a demandé en échange? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici, tous les trois, pour son compte, le jour où le capitaine Joris a disparu? Imbécile, t'avais aucune chance. T'as pas d'argent et tu te retrouves propriétaire d'un bateau qui vaut des millions? Un ancien détenu, tout le monde va te tomber dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien. C'est peut-être quelque chose qui cogne avec le vent. Je vais voir. Pas de bêtises, hein? C'est mon bateau, oui ou non? Va donc voir, Célestin. Tiens, je croyais qu'il comprenait que le breton. Il est en train de parler avec un homme. Chute et sûr de tenir. C'était le marrant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Faut le déposer le plus loin possible. Ben, dépêche-nous, sinon on va manquer d'eau. Faut absolument qu'on ne puisse pas le trouver avant demain matin. Oh! Oh! Restez là, je vais prévenir les gendarmes. Je comprends rien de ce que tu dis, mon gars. Qu'est-ce que vous attendez pour me détacher? Il faut attendre les gendarmes.
Mais les gendarmes, c'est moi, je suis commissaire, commissaire de police. Mais je vous connais pas, moi, vous me dites commissaire de police, mais qu'est-ce qu'il prouve? Détachez-moi. Ah, c'est alors, vous avez vu? Saint-Michel est allé s'échouer. Ah, c'est encore qu'ils ont voulu partir tôt tard après la pleine mer. Il n'y avait plus assez d'eau de lapin, c'est le courant les attirer sur les hauts fonds. Vous voulez bien me détacher, s'il vous plaît? Et voilà. Où sont-ils? On n'en sait rien. À bord, il n'y a plus personne. Ils ont dû nager, vu qu'ils n'avaient plus leur canotte. Il faut que j'aille prévenir le maire, maintenant. Oui, il doit être au courant. Comment il saurait? À cette heure-là, il dort. Ou bien il est à la chasse aux canards. Je peux vous certifier que ce matin, il n'est pas à la chasse. Fâché? Ben non, je suis pas fâché, mon petit Verdurin, je suis pas fâché. Puis il est bon pour les nœuds, hein. Il a dû être scout. C'est bien possible, oui. Ah, si j'avais eu votre expérience, ça c'est un truc qui me serait jamais arrivé. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, tu files à la poste. Faut plus qu'on laisse passer une seule communication à la maison du maire, c'est le blocus. Et si c'est lui qui demande une communication? Même chose, tu bloques et tu notes les numéros. Quand tu auras fait tout ça, tu lances un avis de recherche sur Lanec, Grand Louis, Célestin et Martin. Qu'est-ce que vous voulez encore? Foutez-moi la paix, j'ai une migraine atroce. Monsieur Martineau nous a faussé compagnie. De mieux en mieux. Il est parti avec Louis Legrand à bord du Saint-Michel. Bien bon vent. Il retourne dans son pays, c'est tout ce qu'on lui demande. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il a laissé passer la marée et le Saint-Michel s'est échoué. On va essayer de le rattraper, mais je pense qu'il a déjà quitté la France. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Vous croyez qu'il a quitté la France? S'il est resté, c'est qu'il avait quelque chose de bien précis à faire. Mais quoi? Vous avez vu le maire? Oui. Il faudrait qu'il vienne. Il n'y a que lui qui peut me donner l'autorisation de remorquer. Pourquoi lui? Lui ou le patron du bateau. Mais il faut faire vite. Une marée de plus, le bateau est fichu. Bon, allez-y, faites remorquer. Il faut sauver le bateau, non? Prends tout sur moi. C'est vous l'État. Vous êtes fonctionnaire. On remorque! Patron. Alors, il a essayé de téléphoner. Presque tout de suite, j'ai noté le numéro. C'est un collège à 60 km d'ici à peu près. Un collège? Un collège, un pensionnat, un truc de purée, quoi. Ah non, mon Dieu, j'avais pensé à tout sauf à ça. À quoi? François Grand-Maison, en effet, c'est un élève de notre établissement. Oui, 11 ans, c'est ça. Le fils de Monsieur Grand-Maison, l'armateur. C'est exact. Madame Grand-Maison est venue chercher son fils ce matin en voiture. Il va venir, maman, tu crois? Oui, il va venir. Mais il sait pas où on est. C'est ici qu'on se retrouvait tous les deux. Autrefois. C'était il y a longtemps? Oui. C'était avant ta naissance. Et il a peut-être oublié? Non, il n'a pas oublié. D'arrestation. Vous pouvez pas l'arrêter, c'est mon père. Je sais bien que c'est ton père, même si j'ai mis un certain temps à le comprendre.
Vous êtes bien Hélène Grandmaison, la femme d'Eugène Grandmaison, le maire. Ce matin, vous avez retiré votre fils du collège. Vous aviez l'intention de vous enfuir avec monsieur ? Vous m'avez suivi. C'est comme ça que vous l'avez trouvé. Vous m'avez suivi. C'est à cause de moi que vous l'arrêtez. Bien. C'est à mon mari que vous obéissez. Je n'obéis à personne. Vous m'avez fait suivre sur l'ordre de mon mari pour pouvoir arrêter Raymond. Vous ne pouvez pas m'obliger à retourner chez lui. Ce que vous faites ne me regarde pas. Si vous arrêtez Raymond, vous nous empêchez de partir. Et vous savez très bien ce qui va se passer. Aux yeux de la loi, François est son fils et je serai obligée de retourner chez lui. C'est ça que vous voulez ? C'est pour ça que vous êtes payé ? Je sais très bien que vous m'en voulez pour ce que je vous ai fait la nuit dernière. À vous, à votre inspecteur. À votre place, je ne m'en vanterai pas. Commissaire, mon seul crime, c'est d'aimer mon fils, de vouloir vivre avec lui et avec la femme que j'aime. Vous ne connaissez pas mon mari. Il est plus fort que vous ne pensez. Ce qu'il veut vraiment, il arrive toujours à l'avoir. Votre mari croit que François est son fils ? Non. Il a toujours su la vérité. Il l'a épousé quand même. Il me vole mon fils, comme il m'a volé sa mère. Et maintenant, vous voulez les lui reprendre ? Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Nous sommes revus il y a seulement 2 ans. Je pensais que François était le fils de Grandmaison. Je croyais qu'elle m'avait trahi. Quand nous nous sommes revus, nous avons consulté un avocat, mais il n'y avait plus rien à faire. La loi était contre nous. Et je suppose que vous aussi, vous êtes contre nous. Ce n'est pas la question. J'enquête sur un meurtre. J'enquête sur la mort du capitaine Joris qui a été assassiné. Le reste ne m'intéresse pas. Alors laissez-nous aller. Laissez-nous partir. Ce n'est pas nous qui avons tué Joris. Mais vous savez qui ? Si vous voulez vous taire, tant pis pour vous. Secrètement. Nous nous sommes revus. Nous étions obligés de nous cacher à cause de François. Nous savions que mon mari n'accepterait jamais de laisser partir François avec nous. C'est pour ça que Raymond a eu l'idée du Saint-Michel. On serait parti pendant la nuit. Une fois là-bas, on aurait pu régulariser. Ça a mal tourné. Grandmaison nous a surpris. Il est devenu comme fou. Il a tiré, c'est Joris qui a pris la balle. Moi, je l'ai fait soigner comme j'ai pu en Norvège. Je pouvais quand même pas le ramener ici moi-même. Je l'ai laissé à Paris. Je me suis dit que la police le trouverait. Il finirait par se charger de lui. Je ne sais pas. Il l'a toujours traité comme son propre fils. Mais... oui, je suppose que... qu'à sa manière, il l'aimait. Jamais pensé que Grandmaison pourrait tuer Joris dès son retour. Je sais pas, moi. J'ai peur qu'il parle, qu'il le dénonce. Nous n'avons pas eu d'autres enfants. Je ne voulais pas. Je me suis débrouillée. Et puis j'ai beaucoup réfléchi, ça paraît monstrueux, mais... je crois qu'il était indigné qu'un ancien employé de la compagnie ait osé s'opposer à lui. Ça lui était bien égal que je m'en aille. Mais il voulait garder François. C'est pour ça qu'il l'a caché. Il l'a enfermé dans un pensionnat pour que nous soyons séparés. Il voulait l'adresse du collège. Il me l'a fallu à tout prix. Grandmaison était lâche. Il avait toujours eu peur de la violence physique et je savais que Grand-Louis le détestait, alors... je lui ai demandé de faire pression sur lui.
On ne m'a pas dérangé, j'ai pas eu de pitié. C'était quand même un assassin. Mais il y a 12 ans, avant la naissance de votre fils, comment a-t-il réussi à vous faire quitter la France? J'avais 20 ans, j'ai fait des dettes. Il avait les preuves, alors... Il a menacé de les rendre publiques si je ne partais pas. Aujourd'hui, c'est différent, j'ai gagné de l'argent en Norvège, je peux rembourser. Puis ça n'a plus l'importance. Tout appartient à votre fils maintenant. La maison, la compagnie et le reste. Vous êtes encore dans vos histoires de permis d'inhumer. Un accident stupide, il nettoyait son arme, le coup est parti. C'est vous la police. C'est quand même un bon bateau. Quand je pense qu'il pourrait repartir. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Et toi aussi, histoire de te faire oublier. Vous m'en voulez encore pour hier soir? Je vois pas de quoi tu parles, mais si tu insistes, ça va me revenir. Allez, laissez-les aller. On n'a rien contre eux. À quelle heure tu penses être parti? Ça, c'est à mon capitaine qu'il faut le demander. Le temps de vérifier, on a la marée, dans 2 heures, on peut être en mer. Merci, commissaire. Alors c'est pour ça qu'il est mort? C'est pour ça qu'on l'a tué? Oui. Il a voulu aider Martineau. Il l'a retrouvé par hasard en Norvège. Ils ont parlé. Et le capitaine a tout compris. Il est allé voir Hélène Grandmaison. Et c'est lui qui a tout organisé. Pourquoi? Peut-être parce qu'il aimait voir les gens heureux. Mais je crois plutôt que c'était parce qu'il n'aimait pas beaucoup le maire. Vous allez garder la maison? Non, je vais la vendre. J'ai toujours vécu avec lui, il n'y est plus. Je serai trop malheureuse. Vous savez, entre Monsieur Joris et moi, il ne s'est jamais rien passé. Jamais. On était trop timides.